J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo back to school. Vous le savez, je suis arrivée il y a très peu de temps au Canada, au Québec exactement, à Montréal. Et du coup, avec la petite tribu, on a décidé de s'installer. Je vous renvoie vraiment vers tous mes petits vlogs d'installation et tout ça, si ça vous intéresse. C'est sur la chaîne. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller avec ma fille en vadrouille avec les listes de fournitures scolaires pour leur rentrée des classes. J'ai déjà fait ce genre de vidéo back to school en France, mais je me suis dit que cette année, ça serait vraiment cool de refaire avec vous avec les fournitures scolaires d'ici. Je pense que ça va être un petit casse-tête pour moi parce qu'il y a pas mal de choses, je n'y comprends absolument rien. Mais bon, donc j'ai exactement, si vous me connaissez, 3 enfants. Un garçon, le petit dernier de 5 ans qui va rentrer donc en maternelle ici. Il n'y a qu'une année de maternelle, après on rentre en primaire, en première année de primaire CP, deuxième année de primaire CE1, etc., etc. Et la primaire dure jusqu'à la 6e incluse. Et après quand il passe au secondaire, c'est à partir de la 5e année. Après la 6e, c'est la secondaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est 7e année ou pas. En tout cas, après la 6e, c'est secondaire. Du coup, je vous disais, le premier il est là, en maternelle, il a 5 ans. Le deuxième, il a 7 ans, il va entrer en deuxième année, donc en équivalent CE1. Et ma fille qui passe en CM1, elle va passer en quatrième année. Donc, j'ai leur liste de fournitures scolaires sous les mains, dans le format d'ailleurs canadien, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais les feuilles A4 ne sont pas exactement comme chez nous, c'est pas le même format A4 que chez nous, elles sont un petit peu plus petites et un petit peu plus larges. J'ai pas de comparatif, il faudrait que je ressorte une feuille de mon bazar, mais voilà, c'est juste une petite info. Donc on a acheté une imprimante ici parce qu'on en avait besoin pour faire des papiers, donc chose faite, tout est là. Je vais vous donner des petits exemples d'articles que je dois trouver. Par exemple, mon fils de 5 ans, un tablier d'artiste avec manche longue, des souliers de course avec velcro et des boîtes à lunch pour le dîner avec repas complet qui va au réfrigérant. Enfin, je trouve tout ça, ça va être sympa. Des sacs à dos, il faut des vêtements de change, après des bâtons de colle, des crayons gris, eux ils appellent ça des... Non, ils appellent ça comment ? Des crayons à la mine. Donc pour ma fille et mon fils qui sont en primaire, eux, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de crayons gris ou crayons papier ou crayons ici à la mine. Donc il en faut 2 boîtes de 12, donc 24 crayons. Il leur faut des crayons de couleur en bois, c'est précisé d'ailleurs, c'est assez marrant. Il leur faut des marqueurs, ça c'est des choses que je peux comprendre encore. Il leur faut pas beaucoup de colle, il faut 2 bâtonnets de colle par exemple, ce qui est très rare. Nous en France on demande énormément de bâtons de colle, ici je crois qu'ils ne collent pas. Il faut qu'on achète des cahiers interlignes Canada, donc c'est des cahiers avec un format spécifique d'ici. Il leur faut des pochettes en plastique transparente avec 3 trous, parce qu'ici les classeurs ont 3 trous. D'ailleurs les classeurs ne s'appellent pas classeurs, je crois que ça s'appelle des cartables. Et le cartable, comme nous en France, c'est pas le cartable, c'est un sac à dos tout simplement. Ils n'ont pas de cartable je crois, c'est vraiment que des sacs à dos qu'ils ont. Donc voilà, j'ai des diotangs à prendre, donc c'est une espèce de pochette où on peut mettre à l'intérieur les feuilles avec des trous, je crois que c'est un truc comme ça. Bah, bref, j'ai un peu repéré avant en France pour voir un peu ce qui m'attendait, mais let's go, là il va falloir y aller. Donc je vous embarque avec mes listes, le caddie et ma fille, direction Walmart, sûrement Jean Coutu, parce que je crois que c'est un magasin un peu spécifique pour ici, et est-ce que je vais aller voir ailleurs, bah, on verra. On va faire au feeling hein, évidemment comme d'hab, mais on va déjà aller voir à Jean Coutu et à Walmart, ça va être nos premiers stops je pense, et si besoin on complétera. Évidemment dans mon container qui va pas tarder à arriver, il y aura d'autres choses, il y a des choses que je vais pas racheter, par exemple des souligneurs, des choses comme ça, je sais que j'en ai, donc je vais pas acheter, je vais essayer d'acheter que les trucs spécifiques au Canada que je n'ai pas du tout dans mon container. Allez, let's go. Ah, n'oubliez pas de liker cette vidéo d'ailleurs si vous aimez bien ce style de vidéo back to school, et de vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous avez envie de suivre les aventures de la famille Karine au Canada, au Québec, n'hésitez pas à vous rejoindre sur Instagram. Salut!
tu vois, les surligneurs, il y a tout là. Escalier, lit. Attends, c'était quoi les surligneurs, tu m'as dit tout à l'heure? Il fallait à quelle couleur, toi? Ça et ça. Et Oran, ça et ça. Pour Kate. Ah, on va prendre. Deux comme ça. Non, deux comme ça. Non. Quoi, deux comme ça? Parce que... Ah oui, oui, ok. Non, mets-le là, Oran. Arrose comme ça aussi. Allez. Donc voilà, c'est bon. Pose-les là. Là, c'est deux paquets pour 1,25$, ça fait pas cher. Hein. On a trouvé des boîtes de crayons de couleur pour 2$, les 24. On a trouvé les fameux Color Peps. Mais du coup, je sais pas si c'est accepté dans les écoles encore, donc j'en prends pas, mais ça reste raisonnable le prix. Ok. Il y a quand même de très très bonnes promotions. Regardez, 6$ au lieu de 20. La boîte de 60 crayons de couleur. Il y a pas mal de petites promos là, Jean Coutu, c'est vraiment pas mal du tout. Ah bah oui. Kayla, elle a trouvé les fameux cahiers Canada. 3 trous. Et il lui en faut 12, madame. Donc il faut 6. Et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en faut encore 2. Bah oui, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Oui, 4 paquets. Bah nous, les multiplications, ça fait 3. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, donc 4 paquets de 3. 4 paquets de 3. Ok, on est bon. Donc Kayla, elle doit choisir un cartable. Et ici, les cartables, ce sont les classeurs. Bah, celui que tu veux, mais il faut 1 pouce. Donc là, je pense que c'est écrit 1 pouce, là, comme ça. Okay. Donc c'est ceux-là. C'est cela. Un pouce joli. Mais non, il n'y a que violet, noir ou. Hein, a... Donc Kayla, elle a trouvé le sien, évidemment plastifié, et le plus cher, à 5$. Mais bon, c'est pas grave, elle est contente. Bon, finalement, qu'est-ce qui se passe, Kayla? Je préfère le bleu. Donc vas-y, mets-le dans le caddie. Je vais chercher. Alors, on a trouvé les fameuses pochettes Diotang. Je vous montre, il y en a vraiment un gros lot. Vert. Et vert. Ça ressemble à ça. Bleu. C'est. Ah, mais il y a pas le. Ah, si, il y a les attaches là, ici. Et les 3 trous, parce qu'ici, leur classeur, toutes leurs feuilles et tout, c'est 3 trous. 1, 2, 3. Donc, Kayla, elle va nous faire les couleurs de l'arc-en-ciel, parce qu'elle doit en choisir 10. Et c'est 1$ le lot de 3. Ah, Oran, il est en train de prendre ses cahiers. Attends, ma chérie. Oran, il est en train de prendre ses cahiers, je pense, d'écriture. Donc, c'est des cahiers interlignés, comme ça, 32 pages. Un petit format. Regardez derrière, il y a même les écritures. Bon, au niveau des sacs à dos et tout, il n'y a pas grand chose. T'as vu, il n'y a même pas de compartiment. Ah oui. Oui, mais dans les autres, il y en a, je pense. Attends, je vais regarder. Montre-nous. Montre à la caméra. Il n'est pas abîmé, c'est bon? Non, c'est bon. Là, c'était juste ça. Ouais, ok. Donc toi, tu veux celui-ci. On vient de rentrer avec les loulous. Vous avez vu, je suis partie avec Kayla et Oran finalement. Il s'est très bien comporté. J'avais peur que avec les trois ça aurait été compliqué, mais deux, ça passe. Bon, alors, j'avais mes listes en main que je garde précieusement parce qu'il nous manque deux, trois petits trucs. Mais honnêtement, à Jean Coutu, on a trouvé vraiment quasiment tout. Là, mes enfants goûtent et après, on va prendre Kezia et on va aller à Walmart pour pouvoir trouver les sacs à dos qui manquent, etc. Les boîtes à lunch, etc. etc. En tout cas, on a quasiment tout trouvé, je pense. Ce qu'on n'a pas pris sur les listes, et ben c'est tout ce qui va arriver dans le conteneur. Donc, logiquement, ça devrait aller. Il y a des trucs que j'ai pris en plus parce que même s'il y en a dans le conteneur, comme ça, ben, ils en auront déjà là dans leur fourniture. Donc, on va commencer par Kezia. Les choses que je trouvais pour Kezia, je les ai mis dans un sac séparé, comme ça. Je vais m'y retrouver. Ils ont demandé deux boîtes de crayons de couleur, mais ils ne précisaient pas combien. Donc j'ai pris deux boîtes de crayons de couleur comme ça en 12-12. Et j'espère que c'est bien des grands crayons de couleur et pas des tout petits. Bon oui c'est ça, ça doit être des grands je pense. Avec taille crayon intégrée et je crois qu'ils étaient autour de 2$. C'était pas cher. Il y avait des super offres à Jean Coutu je trouve. Et finalement je m'en suis sortie pour tout ce que j'ai acheté. Je m'en suis sortie pour 190$. Donc ça fait peut-être 130€. De toute façon je vous mets les conversions. Mais ça reste raisonnable pour quasiment tout. Mais il manque le plus cher, les sacs à dos hein, pour les petits.
pour plaisir, je vais pris ceux-là. Finalement, j'ai changé en rayon. J'ai pris ceux-là. Et ceux-là, c'est des triangles, en fait. Et c'est vraiment mieux pour la tenue du crayon. Donc, je vais pris des crayons gris. Mais il en fallait deux, je crois. Mais j'en ai pris. Je vais pris un tablier comme ça qui coûtait 7$. Je voulais en acheter un avant de partir à Action. Je sais qu'il y en avait des pas chers. Mais j'ai oublié. Donc là, je vais pris celui-ci. Les petits ciseaux pour lui aussi. Alors, je ne veux pas vous remettre tous les prix parce que je ne me souviens pas. Hein. Et il lui fallait quoi, monsieur Kezia? Des petites pochettes comme ça. Et je vous ai dit dans le magasin, c'était des pochettes Diotang. Donc là, j'avais pris trois couleurs différentes, plastifiées. Ils n'ont pas précisé parce que des fois, ils précisent cartonné, des fois, ils ne précisent pas. Donc j'ai pris plastifié. Et en fait, il y a des espèces d'accroches à l'intérieur pour trois trous, sûrement pour mettre leurs travaux. J'en sais rien. Je crois qu'il en fallait trois. J'en ai pris trois. Évidemment, pour Kezia, il lui manque tout ce qui est sac à dos, boîte à lunch, j'ai pas encore tout trouvé. Il faut une trousse aussi, des bâtons de colle, ça j'ai dans mon container. Boîte de rangement, une pochette, donc je sais pas trop, une pochette, est-ce que c'est une trousse? Est-ce que la boîte de rangement, bah, c'est une boîte de rangement de quoi? Je sais pas quel format, c'est pas précisé. Honnêtement, des fois c'est pas très clair, mais bon. Le reste, après il faut des vêtements, des choses comme ça, donc ça devrait être bon. Hein. En accessoire, en tout cas des scolaires, il fallait que ça. Oran, il a déjà trouvé son sac à dos Puma. D'ailleurs, il coûtait 29$. Et ce qui fait vraiment pas cher pour un sac à dos plutôt de bonne qualité Puma. Il y a plusieurs pochettes à l'intérieur. Il y a des trousses là pour mettre les... Vous savez, les encoches sur les côtés pour mettre les gourdes. Il est plutôt canon. Donc, il a un bon choix pour un beau sac de marque. C'est pas mal. Donc, on a mis toutes ces fournitures à l'intérieur. Il y a même une pochette en haut là pour mettre ces petites choses. Non, vraiment pas mal. Donc il lui fallait deux pochettes Diotang, donc c'est les fameuses pochettes avec les trois trucs à l'intérieur là, en carton. Et il lui fallait 8 pochettes Diotang, mais cette fois-ci c'était pas précisé en carton, donc on en a pris en... Ah si, c'était pas précisé en carton, mais c'était précisé avec des pochettes transparentes par-dessus. Donc j'ai pris ça, avec plein de couleurs différentes, donc c'est qu'on a pris 8 comme ça. C'était à peu près 1$ la pochette, et celle en carton c'était 1$ les 3. Il lui fallait deux pochettes comme ça qui se mettent dans un classeur, je pense que c'est ça, j'espère que je ne suis pas trompée. Sauf qu'il fallait logiquement avec du velcro, avec du scratch, mais moi j'ai pas trouvé un scratch, donc j'ai pris avec une fermeture comme ça en zip. Donc espérons que ce soit là, que ce soit ça. Si c'est pas ça, j'en rachèterai des bonnes, on verra. Mais en tout cas, on lui en a pris deux, il en fallait deux. Il s'est pris deux petites trousses. Une noire donc, qui ira très bien avec son sac comme ça, et une rouge avec plusieurs compartiments pour mettre les crayons couleurs, tout ça, tout ça. Les trousses n'étaient pas données hein, d'ailleurs, sachez-le, c'était quand même froid, 5-6$, et il y avait même des trousses qui allaient jusqu'à 12$, donc ça fait quand même une petite somme, je trouve. Il lui fallait des feutres et façades comme ça, donc c'était un lot de 4 comme ça. Il lui fallait des crayons de couleur aussi, donc on a pris les mêmes boîtes pour Kezia. Même Kayla les a pris, hein, j'en ai pris donc 4 boîtes à 2$, je crois que ça va être trop cool. Une petite paire de ciseaux, plutôt de bonne qualité. Un taille crayon avec réservoir comme ça, rouge. Il lui fallait 4 gommes. C'était des lots de... je vais y arriver. C'était des lots de 2, en fait c'était 99 centimes le lot de 2 comme ça de la marque. Celle-ci, vous trouvez cette marque à Action. Les fameux petits lots de surlumineurs, là, ils ont demandé des couleurs assez précises, donc c'est pour ça qu'on a pris en lot comme ça. Un lot de crayons, de feutre plutôt, il en fallait 12 à pointe épaisse. Donc là, écoutez, j'ai pris très large, j'en ai pris un lot de 20 parce qu'il n'y avait pas 12. Je lui ai pris comme Kezia les fameux crayons gris avec triangle, même Kayla a pris les mêmes parce que finalement c'est quand même plus pratique pour la tenue du crayon. Et ils vont beaucoup écrire au crayon gris, donc... tant mieux, je leur ai pris ça, c'est mieux. Et il lui fallait aussi un stylo bleu, un stylo rouge, mais ça j'ai dans le container, donc ça va arriver plus tard. Des cahiers comme ça d'écriture, vous les avez vus avec les fameuses lettres derrière et les lignes à l'intérieur. Donc voilà à peu près ce qu'il fallait pour qu'il y ait pour Oran. Et on lui a pris évidemment sa boîte à lunch. La voici, il a choisi dans les tons gris pour aller avec son sac, donc ça reste tout à fait coordonné, c'est pas la même marque, etc. Mais c'est très bien, et celle-ci elle fait thermos évidemment, pour soit garder au froid, soit garder au chaud, donc c'est plutôt bien. Elle a deux compartiments, un ici carré, et un compartiment ici un petit peu ovale, alors soit peut-être pour une gourde plutôt fraîche, je sais pas. Faut que je vois, je connais pas encore les trucs, mais
Voilà celle de Oran du coup. Et on va passer rapidement avec Kayla. Donc comme je vous ai dit, la même chose au niveau des crayons, j'ai deux paquets comme ça pour elle. Parce qu'elle était jalouse, elle voulait aussi la forme triangle. On lui a pris trois lots donc de fameux cahiers Canada. Donc c'est des cahiers comme ça d'exercice avec des lignes simples. Ils n'ont pas de lignes CIS comme nous on a en France avec les petites lignes ou tout ça, les interlignes. Non, ils n'ont pas. Eux c'est juste des lignes, tout simplement. Et il en fallait 12, donc 3 lots de 4. Vous l'avez vu, petit classeur bleu qu'elle a choisi. Comme son frère, elle a pris le lot de crayons de couleur comme ça. Elle a pris les deux lots de surligneurs aux couleurs demandées par le prof. Enfin, ici, on dit l'enseignant, on dit pas la maîtresse d'ailleurs, je crois. Une règle graduée, mais qui... Ah, il fallait pas que ça se tord, je crois. Non, ça va, elle se tend pas. Elle est incassable, mais elle ne se flexe. Vous savez, ça, c'est pas les règles qui se tordent dans tous les sens, donc ça va. Mais elle ne se casse pas. Alors, j'espère que ça ira. Il lui fallait un cahier un petit peu plus spécifique, comme ça, à petits carreaux. Un peu les carreaux qu'on utilise pour les pixels art. D'ailleurs, on les voit à peine les carreaux. C'est pas du super papier. J'espère que ça ira, mais j'ai rien trouvé d'autre, en fait, avec ces petits carrés-là. Il n'y avait pas grand-chose au niveau. Au niveau papier, de toute façon c'est une première expérience, peut-être que les prochaines je ne rechercherai pas du tout les mêmes choses, on verra, je m'adapterai, après c'est une première fois pour nous. Des fameux pochettes Yotang là, avec les trois trucs à l'intérieur en version cartonnée, et il lui en fallait en version plastifiée. Enfin c'était pas précisé, mais on lui a pris des plastifiés et elle voulait faire les couleurs de l'arc-en-ciel madame, donc il lui en fallait 10. Petite paire de ciseaux mais qu'elle a acheté à Dolorama parce qu'elle voulait pas ceux de Jean Coutu. Et comme son frère, les petites gommes, le lot de 2 à 99 centimes de dollars. Voilà à peu près ce que j'ai acheté à Jean Coutu pour 190 dollars. Mais maintenant, direction Walmart en espérant qu'on trouve le sac à dos de Kayla avec sa boîte à lunch et le sac à dos de Kezia avec sa boîte à lunch et chacun une trousse. Parce qu'il n'y a que Oran qui lui a le setup complet, mais il manque juste ça pour les deux autres. Voilà. Kezia, qu'est-ce que tu as choisi? Un panda! Un panda! Un cœur! Un cœur! Ah, il y en a des beaux là aussi! Hein. Maman, attends, regarde! Basket! Basket en dessous! Basket! Ah oui! Ici, nous avons les boîtes à lunch! On en a pas mal! Hein. Après, c'est des motifs assez clinquants! C'est lequel? Non, mais Kayla est. Mais c'était lequel? Bah t'as pas choisi encore ton sac là, t'hésites entre trois. Ah, elle hésite en avec ces trois là. Faut que tu prennes une boîte à lunch qui va avec tes sacs. Ici, le rayon de Yotang est vachement plus important et alors ils sont à 18 centimes pièce. Donc c'est vrai qu'à Jean Coutu, c'était peut-être un petit peu plus cher. Mais il y a des choses moins chères, il y a des choses plus chères. Ça dépend, je pense. Hein. Ça dépend les trouvailles. En tout cas, les rayons sont plutôt pas mal. Kayla est encore en mode dilemme. Elle cherche quel sac choisir parmi tout ça. Bon, clairement, il y a beaucoup plus ici de choix, mais je crois que je m'y serais perdue tellement il y a de choix.
beaucoup de choix dans les thermos, c'est assez dingue. Bon, après, c'est pas donné. Hein. Je vous retrouve en fin de journée. La lumière se tamise, mais en fait, ici, j'ai pas encore mes éclairages puisqu'ils sont dans le container aussi. On revient chez Walmart. Kayla, elle a choisi ce lot, un sac à dos. Un joli sac à dos fleuri comme ça, petite poche ici. C'est un lot de 6 pièces qui coûtait 30$. Donc, ma foi, il y a la boîte à laine. Donc, ça, c'est plutôt calme. Regardez comment elle est. Hop là, elle est plutôt grande pour faire glisser sa boîte à laine dedans. Bon, écoutez, après, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne sais pas si ça va être pratique. On a essayé de faire au mieux. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient. Elle a une gourde, un pompon. Petit gadget important pour Kayla. Une trousse qui va avec. Et elle n'a pas trouvé de deuxième trousse. Donc, soit elle choisira dans le conteneur. Moi, j'ai ramené plein de trousses que j'avais à moi. Je pense qu'elle aura une qui lui plaira. Mais elle voulait une trousse avec double entrée, enfin double zip. Mais on n'a pas trouvé. Et voici derrière, ça se passe comme ça. On avait choisi un autre à la base. Mais il était trop serré, en fait, à ce niveau-là. Et ça lui faisait mal au niveau du cou. Donc, elle a bien fait de le garder sur son dos pendant les courses. Comme ça, elle a pu voir un petit peu ce que ça donnait. Mais ici, ce sont que des sacs comme ça. On a vu quand même un sac à dos avec des petites roulettes. Mais il n'y a pas de cartable traditionnel comme vous connaissez en France. Kezia, il s'est choisi celui-ci. Alors, mon mari était genre... ouais, c'est un peu clinquant et tout. Mais il a eu un coup de cœur sur le panda. Est-ce que c'est fille, est-ce que c'est garçon? Au fond, je m'en fiche que ce soit pour les filles ou pas. Il choisit, il se fait plaisir, c'est l'essentiel. Donc, il l'a adoré. Tout de suite, il l'a pris, vous l'avez vu. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a la boîte à lunch. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a à chaque fois le sac à dos, la boîte à lunch assortie. Donc, c'est ce que je voulais à peu près. Finalement, Oran, on lui a pris une autre boîte à lunch et celle qu'il avait pris à Jean Coutu, je pense que j'ai la gardée pour moi ou pour mon mari, parce qu'on voulait un format rectangulaire comme ses frères et sœurs, puisqu'on a acheté ce qui se range à l'intérieur. Et ça n'allait pas dans sa boîte à lunch thermos tout à l'heure qu'il avait pris. Donc on lui a pris celle-ci à 12$. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, le sac de Kezia, c'était aussi 30$ le lot. Là, celle-ci toute seule, c'était 12,99$, 13$ quoi. Et voilà, il est basique, hein, avec une petite zip ici et un endroit pour mettre... Alors une gourde, ça rentre pas, hein, donc je sais pas ce qu'on peut mettre ici. Mais une gourde, c'est pas possible, je pense. Et voici en fait les fameuses boîtes à lunch, bento box set, ils appellent ça, qui peuvent être mises à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais, on a changé finalement pour Oran pour le prendre exactement la même que ses frères et sœurs, pour que ça soit facilité pour moi le soir de faire toute leur lunchbox. Et qu'ils aient les mêmes styles de compartiments, que ça soit plus pratique pour nous. Donc là, on a pris ceux-là. Donc on en a pris deux bleus et il y avait une rose. C'est cliché les couleurs, mais il n'y avait pas le choix en fait. Donc ça se tient quand même comme ça, si vous voulez juste l'emmener comme ça. Ça s'ouvre, ça a l'air plutôt quali. Et là, vous avez ça qui s'enlève pour le laver et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez différents compartiments pour pouvoir mettre différentes choses, des légumes, des tomates par exemple, une petite sauce si vous mettez de la salade. C'est que pour des choses froides. En revanche, il y avait dans les rayons, vous avez vu, des thermos aussi qui sont vraiment pour les choses, les choses chaudes. Je vais y arriver. Je pense qu'on en achètera un peu plus tard. Pour l'instant, on va commencer avec ça et après on investira dans les autres. Et là, il y a fourchette, cuillère pour les enfants. Donc ça a l'air pas trop mal au niveau qualité, ça ferme bien, on verra. Je pense que je vais les personnaliser avec leur prénom aussi, comme ça, pas de jaloux. Et c'est parfait au niveau de l'intérieur, regardez, hop, ça rentre parfaitement bien. Donc c'est nickel pour chaque enfant. Donc Oran et Kezia, ils ont la même en bleu. Et Kayla, elle a pris évidemment la version rose. La voici, donc c'était 8,90$, 9$ à peu près. Ce qui fait avec les taxes et tout ça, je pense que ça devait revenir à 10-11$, ça fait à peu près 6€. Ma foi, ça, c'est plutôt solide, ça a l'air plutôt pas mal. Après, comme je vous ai dit, je rappelle encore une fois, hein, pour les Québécois qui me suivent ou les Canadiens qui me suivent, je ne suis pas une pro, je découvre, donc j'ai acheté des choses comme ça. Il n'y avait pas 50 milliards de choix au niveau de ces boîtes-là, je trouve. J'ai pas trouvé des trucs de dingue. Donc pour l'instant, ça fera l'affaire. Après, quand je connaîtrai un petit peu mieux, j'achèterai des choses de peut-être un peu meilleure qualité. Et je pense que j'achèterai plus tard aussi des thermos là qui sont vraiment pour le chaud, pour qu'il n'ait pas tout le temps des trucs froids à manger et qu'il puisse manger aussi du chaud de temps en temps. Voilà pour cette vidéo back to school. Comme ça, vous avez vu un petit peu en vadrouille dans les magasins et en même temps, vous avez vu les achats qu'on a réalisés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu la suite de nos aventures. Et
de liker cette vidéo et de s'abonner et de la partager d'ailleurs à des personnes qui ne connaissent pas un peu les fournitures canadiennes et à qui ça pourra plaire. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut.